Bonjour à tous, c'est Guillaume. Salut, c'est Cyril. On se retrouve pour un nouvel épisode des 1000 vaches. Donc Ouais. Cyril, je sais pas ce qu'il a, je pense qu'il doit avoir des fourmis dans son caleçon. Pas que dans le caleçon. Ah. Il a le sushi en fourmis. C'est ça. Donc aujourd'hui, hop, on va commencer, bah, comme à peu près à chaque fois, on va commencer par donner à manger aux vaches. Hop. Et parce qu'elles ont pratiquement plus de rations mélangées. Donc la chose qu'on va faire. Donc déjà Cyril, toi tu vas acheter une centaine de vaches en plus. Allez, c'est parti, une centaine de vapaches. Comme ça on va passer à peu près dans les 400 vaches. Hop. Tout ça pour que ce soit moi qui prenne la crise d'épilepsie. D'accord, Et salope. puis moi, donc on va acheter. On a. Donc dans la ferme, on a déjà une mélangeuse. Tractée, on va la garder quand même. Ah, salope. On va la garder quand même. Et on va acheter une autre grosse mélangeuse pour donner à manger quoi. Donc hop, j'achète. Tac. J'achète. Et par contre, on va essayer de se trouver un tracteur. On va essayer de se trouver un tracteur, mais je sais pas où il les a rangés. L'objectif arrive, l'objectif arrive. Là-dedans, il y a quoi? Là-dedans, il y a quoi? Là-dedans, il y a 400 quoi? vaches. Ah ouais, non, ils sont... je sais où ils sont. Hop. Donc, on va TP, je suis désolé. Ils ont planqué Hop. où les tracteurs? Ils sont restés sur un champ. Mais de toute façon... Hop. Je vais laisser la benne là. M'en fous, moi je prends le mien dans ce cas-là. Bah toi tu peux m'attendre à la ferme parce que je vais arriver avec la mélangeuse. En gros, là, il te faut le chargeur, c'est ça? Oui, donc tu peux préparer le chargeur avec le godet. On te faire. Hop. Donc voilà, comme ça, elles ont à manger les vaches. Donc ça y est, on est passé à 400 vaches. Ouais. 400 vaches, plus que 600 vaches, on atteint l'objectif. L'objectif se rapproche. Tu du semain. Tu du semain. Je sais pas qui c'est qui a semé le champ de colza, mais c'est une horreur. Faut vraiment qu'on se dépêche après à le moissonner, quoi. Bah c'est... C'est pas Clément ça? On verra bien. Ah, qui l'a semé? Oh, certainement, ouais. Ouais. Oula. Il est encore en train de violer son volant, Cyril. Si. Non, c'est juste que je me suis planté de pédale. Ah. J'appuie sur l'embrayage au lieu du frein, je vais pas y arriver. Donc on tient à s'excuser parce que là vous verrez donc cette vidéo mardi après-midi. Normalement le lundi on sort une vidéo roleplay, mais malheureusement on n'a pas pu la tourner. Donc vous aurez un épisode normalement la semaine prochaine. L'année dernière, on n'était pas beaucoup non plus. Hein. Non, bah, les personnes qui devaient être là pour tourner n'étaient pas là. Donc voilà. Hop, tac, j'arrive. C'est bon, moi je suis prête. Hop, putain la vache. Eh ben j'ai bien fait de prendre le 82-20. Bah, tu t'es planté déjà? Non, 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 non. Non, mais la bébête, elle est quand même assez grosse, hein. La bébête est assez grosse. La demoiselle. Un 82-20 en valet de ferme, tiens. Allez. Tu peux déjà commencer à te remplir un godet. Hein. Bah il est plein ce signal.
Ah, il est plein. Je crois que je t'ai attendu. Bah non, mais bon. Bah voilà. Je préfère te le dire. Donc on a encore pas mal de choses à faire, on a pas mal de... surtout de semis à faire. Là, faudra vraiment qu'on attaque les semis, je pense, dans le prochain épisode. Ah, Cyril a sommeil. Oh non, ça va. Cyril s'est encore couché tard. Je crois qu'on s'est couché à peu près en même temps. Non, on a déco en même temps. Ouais. Donc ouais, dans le prochain épisode, il faudra vraiment qu'on attaque les semis. On a encore pas mal de champs à cultiver aussi. Avec lesquels à faire en semis. On a du boulot, hein. Lesquels à faire en semis. Bah... tous ceux qui sont à faire en semis, quoi. On a que deux champs... On a trois champs de planter, c'est tout, hein. Dont un qu'on a commencé l'ensilage. Donc on a le 14, le 16, le 19, le 12, le 10, le 9, le 7 et le 11. Et le 4. Donc Et le 21. Donc on a du boulot. Alors, je sais pas ce qui se passe, ce matin c'est ultra ultra fluide. Ah non mais là c'est que du bonheur quoi. Je crois que maintenant on va tourner nos vidéos le lundi matin. Ouais, sauf que le lundi matin je suis pas toujours là moi. Je m'en fous, je veux pas le savoir, tu dis à ton patron. Ouais, le lundi matin maintenant, je pourrais pas venir travailler, je tourne des vidéos roleplay. Des vidéos roleplay, des vidéos... 1000 vaches. Tu peux au moins m'en mettre deux de godet, je pense. Ah bah, de toute façon, je vais t'en mettre deux, voire trois. Hop, 100%. Dans ses loges. Pas mal. Si t'en mets 3... t'en voir. Tac, tac, tac. Ouais, tu peux, tu peux en mettre 3. Hier, tac, tac, ça y est. 3, ça fait 21 000. Ouais, forcément. Et là, vous allez entendre le mec qui passe la débroussailleuse dehors. ouais, mais un troisième, tu mettras... Oula, 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 ça, ça, ça s'appelle une benne, ça. Oula, Cyril. Tac, tac, tac. Ouais, tac, 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 et, ou toc, toc, toc. Hier, yeah, tac, tac. Ou nif, nif, nif. Nif, nif. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ouais. Et je dirais un godet de paille. Ouais. Et après le reste en foin. Ça. Ah, c'est bon. Fait exprès, faut qu'il y ait un mec qui passe la débroussailleuse maintenant, quoi. Puis juste sous la fenêtre en plus, hein. Normal, quoi. Là, je peux rien faire, j'ai les fenêtres qui sont fermées, mais c'est pas du vitrage isolant anti-bruit. Pas du triple. Ah non. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo. En même temps, si Cyril s'était levé un peu plus tôt, on aurait pu tourner plus tôt. Oh l'autre. Tu parles. Et lequel qui s'est levé à 10h30, faut 10h30 même pas, quasiment 11h moins le quart là. Bah c'est toi. Ouais bien sûr. C'est bon. C'est bon. Hop. Et on va aller remplir ça. C'est abusé, sérieux. Ça me fait chier. Parce que là, c'est sûr que ça va s'entendre dans la vidéo.
Donc je tiens à m'excuser, c'est pas ma faute, à moi. De quoi que ça va s'entendre dans la... Ah bah là, la débroussailleuse. Là, il est vraiment sous ta fenêtre, quoi. Ah bah là, il est sous la fenêtre, là. Juste un caillou, je sais pas, tu fais quelque chose. Juste un caillou. Ah, il y en a qui dorment, bordel. Oui, voilà. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de débroussailler, parce qu'en plus, sous ma fenêtre, normalement, c'est... il n'y a pas d'herbe, alors. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. On fera avec. On dira que c'est une mobilette qui passe dans le jeu et tout. Et là, je vois déjà les commentaires. On entend la débroussailleuse. Bah, j'y peux rien, les gars. En fait, on n'a pas entendu la débroussailleuse. Par contre, t'as pas arrêté d'en parler. Non, parce que déjà qu'on entend mon volant, alors déjà que ça râle quand on entend mon volant. Oui, mais malheureusement, nous ne sommes pas dehors, donc... Bah non, mais bon, en même temps, dans un tracteur, hein, quand on tourne le volant, on entend tourner le volant. Donc voilà, bah, c'est réel. Non, non. Ah si Bon, puis on a encore un peu d'ensilage à faire derrière. T'es aux vaches? Bah oui, je suis même déjà en train de remplir mon godet, moi. Putain, t'as fait vite pour venir. Hein. Ah ouais, non, mais t'as vu. Hein. Tu t'es téléporté. Non, 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 j'ai couru à la vitesse de la lumière. Hop. Donc ouais, on a une mélangeuse automatique, mais on a décidé de faire tout à la main. On est des grands gueudins. Bah moi je trouve que voilà, en plus ça rajoute du boulot. Parce que sinon on ferait que curer, que voilà, que juste une benne. Non, franchement, je trouve que voilà, faire à la main en plus, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les vidéos. Et que nous, vous le savez bien, on aime bien faire tout ce que les autres ne font pas. Voir tout le reste. Tu peux encore en mettre ? Oui. Là, tu peux encore en mettre 4000. Un peu moins de 4000. Et là, on sera pas mal. Ouais, bah, j'ai un godet plein. Oui, bah. Tac, tac, tac. Non, il leur manque rien d'autre. De l'eau, elles en ont. Bon, c'est sûr que le pognon a baissé un sacré coup, hein, quand même, parce qu'on était à plus de 400 000. On se retrouve plus qu'à 118 000. Vas-y, tu peux bénir, hein. Oui, mais sinon je t'arrache la complète. Ah bah t'es plein. Hop, et donc nous sommes à 38% de foin, 46% d'ensilage et 5% de paille. Donc on est parfait. Parfait, parfait. Non, normalement c'est un tiers, un tiers, un tiers, mais bon. Ah non, non, non. Autant que c'est dans le vert, c'est bon. Ah bah c'est même dans le bleu alors. T'as la gueule de... Et franchement. Non mais il est en train de débroussailler toute la forêt là ou quoi? Hop. Voilà.
C'est vrai que les meumeux. Elles sont à combien les meumeux? En fumiagé 5000. Bon, allez hop, un petit coup. De quoi? Ah. Tu leur enlèves le caca? Ouais. Ah, donc j'ai le chargeur, autant le faire. Ah oui, bah oui. Voilà, j'ai tout pris. Hop là. En plus, il fait la débroussailleuse. Ouais, non, je vais pas le faire, sinon c'est pas drôle. De quoi? Fermer la porte derrière moi? Hey. Petit enfoiré. Ça pourrait être marrant. Hop, voilà, bah comme ça, elles en ont pour un petit Et t'as moment. Vu, je l'ai pas fait. Il y a déjà 1100 de fumier, je te signale, hein. Donc t'as pas tout pris. Bah si. Bah non. Et à produire en plus, hein, ces petites là. 400, ça va vite, hein. Ouais, Hop là. Je sais pas combien on est au niveau du tas de fumier. On commence à en avoir un bon paquet. Hein. On n'a pas les. Ah non, on les a pas. Oh, on doit avoir. Ouais, 50 ou 60 000, je pense. Pas ouais, tant que ça. Pas... Ça commence déjà à faire. Hein. Hop, on va poser la mélangeuse par là. Hop, moi je vais poser la bestiole par là. Hop. Ah, avant je voulais faire mon screen, tiens. Et oui, je fais mon screen en vidéo maintenant. Enfin, maintenant, non, il n'y a pas que maintenant. Non, je l'ai toujours fait, donc... Hop. On va se poser comme ça. Ah, moi je commence Hop à l'entendre, là. Donc oui, on doit commencer à l'entendre dans la vidéo. Ah bah, je pense, oui. Qu'est-ce qu'ils veulent débroussailler à cette époque? Bah, à première vue, Bah, puis surtout chez nous, là. Ça pousse pas. Je veux dire, c'est... Si tu parles, nous, on sort à peine de l'hiver, donc... Bah oui. D'ailleurs, j'avais cru voir une benne dans un secteur, là. Hop là. Bon, alors, maintenant, c'est transport, c'est ça? Bah, ça va être en silage. Bon, ça va, c'est pas très loin. Oh non, bah non. T'es sûr que les deux pauvres kilos là vont tout prendre? Non. À part qu'on en mette dans le stockage? Bah, soit on en met dans le stockage, soit on y emmènera au silo qui est derrière la ferme. Au silo qui est derrière la ferme. Ah oui, il y en a encore un là, ouais. Bah écoute, autant remplir tous les silos. Hein. Hop, je vais chercher ma bébène que j'ai laissée au milieu du champ. Ah, je vois un Cyril passer au taquet. Et là, l'ensileuse était de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ouais, bah je vais faire le tour et puis c'est tout. En fait, j'étais en train de la chercher. Hein. Bah, tu me l'aurais demandé. Par contre, je sais pas qui c'est qui a fait le... l'engrais, mais il l'a bien fait. Hein. Bah, c'est moi. Pour une fois que tu fais quelque chose de bien. Et je peux te dire qu'il y a du rendement sur champ. Bah, tu m'étonnes. Problème de Korsk. Ah, c'est il a arrêté la. Maintenant il va passer la souffleuse. La souffleuse de chenille. Ah non, elle est toujours là. Eh mais sérieux, mais il a un champ de combien d'hectares à faire à la machine? Putain, normalement en 2-2 c'est fait ça.
Alors, je vois ce que tu mets auto-tractor, tout ça, tout ça. Auto-combine. Auto-combine, enfin bon, tu m'as compris quoi. Non. Donc auto-combine en comme ça, comme ça. Tu le fais bander, c'est ça? Oui. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Go. Par s'il part bien. Mais... C'est bon. Donc dans un prochain épisode, on changera l'ensileuse aussi. On en a, nous en a donné une. On nous a offert une. Une 8400. Il est pas mal. Une 8400 modifiée. Ouais, c'est une j'ai regardé, c'est une reskinée. Hop. Bon, il s'est éloigné de la fenêtre, ça va déjà mieux. Mais c'est qu'il avance vite en plus, ce petit. Déjà 43%. Donc ça va aller vite. Donc là on est en train de terminer ce qu'on faisait en live. Ce qu'on a fait en live samedi soir. Donc vous aurez la rediff du live peut-être après la vidéo. Je vais voir. Ou alors si j'essaye de l'uploader cet après-midi là. T'as rediff du live? Ouais. Normalement t'as juste à faire un transfert. Non parce que je l'ai téléchargé pour la retravailler. Parce qu'on a fait du The Forest avec. Comme on a fait du The Forest, t'es encore trop près. Oh, plus ça va, plus ça détecte loin. Ouais, mais on faisait l'ancileuse. Un grain de maïs planté dans les dents. Donc c'est un fou. Libérez-moi, c'est un fou. Donc voilà, ouais, je l'ai téléchargé pour pour la travailler. Faire des coupures, des trucs comme ça. Voilà, ouais. Donc je vais voir là, une fois qu'on aura fini de tourner cet épisode là. Je suis pas plein là. Les deux petits voleurs. Dégage. Par contre, je la trouve pas vilaine celle-là dans Silo, justement, ça change. Non, elle est bien. Elle est bien. Bon, elle est simpliste, à mon avis, je vous dis vraiment, c'est vraiment un reskin du 2013. Celle-là, ouais. Voire peut-être même du 2011. Peut-être même du 2011. Voire du 2009. Voire peut-être du 1832. Enfin, 33, parce que c'est que des chiffres impairs. Il dit que des conneries. Je ne dis pas que des conneries. Bah, je crois que je suis plein. Et bah, je te plains si tu es plein. Hop, on va se remettre un petit coup en vue intérieure, comme ça, ça fait encore plus réaliste. Hein. N'importe quoi. Un petit coup de régule, et là on est parfait. Pas monté. Ça, on sait que t'es pas monté. C'est pas classe. Bah non, c'est John Deere.
Allez. Mio. Bah non, toujours pas. Dessin et pouce. Dessin et pouce. Ouais. Ah là là. C'est pas évident de conduire en vie intérieure, hein. Enfin faire l'ensilage en vie intérieure. Ah non. Et c'est ça que c'est drôle. C'est bon, je suis monté. Ah, faut te dépêcher parce que je suis presque plein moi là. Oui, bah 2 secondes, laisse-moi monter. Aïe. Il est redescendu. C'est ça. Alors, j'ai fait le planter de JD. Hop, et je suis plein, et l'ancileuse va attendre. Ouais, j'arrive, j'arrive. Nif. Nif. Alors. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Mais arrête d'accélérer, toi. Tac, tac, tac. Alors, monsieur n'est pas réussi à monter. En même temps, vu comment le tas il a été fait. Pour moi qui l'ai fait, celui-là. Moi, ça monte impeccable, tout seul. C'est arrivé comme une brutasse. Même pour. Tu sais que je suis déjà à 39%. Oui, bah oui, j'arrive. Non, t'es même à 44%. Ah oui, mais ça monte. Ah bah, attends, eh oh. Eh. Plus vu avec de l'uranium. Ah bah. Déjà, les grains de raisin. Des grains de raisin. Les grains de maïs sont gros comme des pastèques. Ah bah, ça. C'est bien meilleur. Et j'ose même pas imaginer si j'avais réellement trouvé une map style américaine avec une belle. Il y avait la Californie, mais les champs sont 10 fois plus grands que Bantico. Ouais, mais il y en a moins de champs. Mais. Bah, t'en as 5 ou 6. 5 ou 6, ouais. Mais par contre. Ah, bah là, on aurait pris 2 ensileuses, on aurait pris. Ah, bah, c'est pas 2 ensileuses qu'il te fallait, c'était 3 ou 4 hein, par champ. Hein. Moi j'aime bien, je suis en train de jouer avec le régule quoi. Tu joues avec ton gros régule. Ouais.
Plein. Là ça défouraille là. Ouais, mais attends, là on fait. Je pense que 3 bennes c'était pas du luxe en fait. Bah samedi on a commencé avec 2 bennes. Hein. Bon après on en avait 3. 3 ça permet vraiment de. De pas attendre quoi. De pas attendre. Mais toi tu t'en mets plus dans ta benne. Là j'en mets 48. Ouais moi je dois en mettre 46 je crois. Ouais. Ou 42 je sais plus. Donc Wouhou. Ah raté. Bah non je dois même en mettre 44. Et on a fait qu'une moitié du champ. Mmh. Et on en a un autre encore, mais je pense que l'autre on le fera en grain. L'autre on en a qu'un en. Non, non, j'en avais planté un autre en maïs. Ah bon ? Je te vois descendre du tas. Hop là. Oh là, j'y étais comme une brutasse pour m'en grimper. Par contre, elle est pas très speed pour faire ce demi-tour. Hein. Non. Puis là, je sais pas où elle va, mais elle y va. Bah, ça, laisse-la faire, laisse-la faire. Merde, je me suis fait baiser la gueule. Mmh. Hop là. Putain, elle me détecte pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'es peut-être plein? Bon. Non, t'es pas plein? Non, non, je suis pas plein. Hop. Ah bah là je suis plein. Ouais, je mets 45 000 dedans exactement. 45 000, ça va? 3 000 de moins que toi. Et on fait un aller, en fait on est plein quoi. À peu près ouais c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais, c'est sûr qu'il aurait fallu presque un troisième mec en fait. Juste pour juste l'entre-deux quoi. Juste pour taper le silo. Ouais. Non, non, pour tasser le silo.
Je crois que j'ai voulu faire un câlin là... à l'ancileuse. Ah, ça. Et elle a pas voulu. Ah, ça. Parce que normalement, un tas comme ça, tu montes plus. Tu montes plus sur le toit. Voilà, tu montes plus depuis longtemps. Et c'est ça qui est dommage, qu'on puisse pas poser l'ensilage devant le silo. Et après, elle est rentrée. Elle est rentrée avec une lame d'ensilage, quoi. Il me semble que sur le 13, tu pouvais y faire ça, avec non. Des mods. Non, non. Ah, j'avais vu des vidéos pourtant. Ouais, alors t'avais un script qui t'alourdissait à mort, faisait laguer à chaque fois que tu faisais dans le silage. Bon, déjà, c'est non, déjà oui, pas mal. Et ils ont déjà résolu quand même le bug de l'ensilage. Te rappelle-toi au début de farming. Ah ouais, non, mais. Quand on montait sur les silos dans le silage. C'est horrible. Que ça faisait laguer tout le monde. Là, ils ont quand même corrigé ça. C'est horrible. Je suis plein. Et j'ai même pas fait l'aller. Parce que là, je crois que t'es dans le plus long, là. Et à mon avis, je pense que tu vas te faire baiser parce que. Ton silage est presque plein. C'est pas grave, je remplirai dans l'autre. Bah voilà. Oh, t'aurais pu finir le petit bout quand même. Bah, c'est pour moi qui a pas voulu finir, hein. Feignant. Bon, c'est quand même pratique l'autocombine. Ouais. Et c'est pas la combine du loto, hein. Hein? Non, non, c'est l'autocombine et pas la combine du loto. Ah oui, bah ça, oui. Hop là. Ouais, en fait, alors. Le mec avec la débroussailleuse, il va se dire tiens, il y a Guillaume qui tourne une vidéo, allez hop, on va passer à la débroussailleuse, ouais. Juste pour le faire chier. Et je me tire. Ouais, c'est ça. Oups là. Je suppose qu'il est plein le silo. Pas encore. Je viens de réussir à grimper dessus, alors. Hein? Tu viens de réussir à lui grimper dessus? Bah, il est plein. Bon, on aura de quoi donner à manger à nos vaches, déjà d'une paire. Puis là, je pense que... du biogaz. Là, je pense que du maïs, de l'ensilage, on en a pour un moment. Là. Donc. Se faire de l'argent et du lisier surtout parce qu'un de ces quatre on va faudra que je regarde combien on a de lisier dans la au BGA. T'aurais dû me le dire, j'étais Eh, je vais juste arriver à faire ma ligne droite, moi. Même pas. Même 95, pas, t'es plein, c'est 97, ça 98, 99. Ah, comme moi de l'autre côté. Par contre, c'est bien parce que c'est toi qui vas te choper la... l'îlot. C'est pour moi qui vais se choper. L'îlot de la map. Ouais, non, bah tu vas voir, tu vas comprendre ta douleur. Mais non, c'est simple. Donc,
Donc, bah, il est plein ou il est pas plein? Il est plein, le premier. Bah alors, pourquoi tu l'as pas fermé? Parce qu'il faut le tasser. Ah, il est tassé à 98%, ouais. Ouais. Voilà, t'as le temps de le tasser, toi. Bon, tu remplis par l'autre côté. L'autre côté quoi? Oui, excuse-moi, parce que je suis en train de regarder Guillaume, mais faut peut-être que je me mette derrière. Hop là. Ah mais t'as seulement fait ton demi-tour? Ah bah purée. Ah ouais, non mais elle est pas rapide, hein, faut pas l'oublier. Hein. Ah ça doit être Valtra qui est aux commandes. Et encore. Hop là. Pouf. Hop là. Alors fais-y voir combien de chiures on a par là. C'est où qu'on remplit déjà? C'est là-bas. C'est ici. 204 000. Pas des masses. Ouais, non. On a même pas de quoi faire un champ. Bah, largement pas. Je me rappelle, avec Fléau, on avait fait le champ numéro... Que je dise pas de 8. Pas le numéro 8, non, le numéro 5. On avait fait tout le numéro 5. Et il nous avait fallu plus de 600 000. Ouais, c'est ça. Donc avec les 100... Là, on a pour l'instant, on a 300 000. Ça va. Bon, après, je sais pas, la grosse cote garante, je sais pas si elle consomme beaucoup. Je sais pas. Ou pas. Donc, mais je pense que dès qu'on aura à peu près dans les... Je sais pas pourquoi, je crois qu'il va falloir la... Non, c'est bon, elle va faire sa manœuvre. Fait sa manœuvre ou elle fait pas sa manœuvre? Je pense que quand on aura dans les 500 000, on pourra déjà commencer à faire le 11, par exemple. Le 6, ou enfin le 3, le 6 ou le 11. T'es bête ou t'es bête, toi? Elle s'est plantée. Il y a un arbre physique en plein milieu, faut qu'elle aille le chercher, quoi. Ah bah. Ah, tu l'as remis à bander? Bah écoute. Qu'elle voulait faire à la base. Ouais, bah. Elle se refaire ce qu'elle voulait. Hein. J'arrive. Oh, un petit con. Qui, moi? Je vois pas de quoi, con, je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas Clément, moi je regarde un peu ce que je fais. Hein. Attends, il nous a fait encore le coup samedi. Non. Si. T'as réussi à lui refaire? Bah non, Valtra lui a dit hop, Clément, t'oublies un truc. Mais en fait, sur sa manette, parce que oui, il joue à la manette avec une manette Xbox, je crois. Ouais. Ça touche klaxon et ça touche détaché. C'est la même, sauf qu'il faut qu'il fasse une combinaison pour le klaxon, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'apparemment, il décroche. Il aurait mieux fait de d'abord faire la combinaison pour accrocher plutôt que klaxonner. Non, mais la combinaison accrochée... Bah après, en même temps, il joue peut-être par défaut aussi, hein, donc... Ouais. Mais tu sais, ça aurait été plus logique, quoi. Au moins, comme ça, au lieu de décrocher, tu klaxonnes. Ben. Au pire. Ah bon, c'est du grand Clément, quoi. Du coup, c'est peut-être toi qui vas se taper le... Ah bah le détourage, ouais. Ah oui, ouais, là, oui, c'est toi qui se le tape. C'est le coup sûr. Oui, bon, je m'en bats les steaks. Ah, quoi qu'il va peut-être bander. Non. Ah, pas sûr.
Oh bah toi tu peux aller vider, va. Fais ton poche pour les 3% ouais, qui restent. Ouais non, il reste 3%, il reste 3%. Mais oh. Oh, t'es un petit bidule. Ah. Le bidulage bidulé. Elle nous fait quoi là? Au revoir. Au revoir. Elle nous fait quoi? Donc on vous confirme de temps en temps l'autocombine fait n'importe quoi. Parce que là il va droit dans la clôture. Des moments on sait pas ce qu'il fait. Il fait un steak. Non mais il a pas dû retrouver le board. Ouais, il a des chances. Si tu te plaçais correctement. Comment t'inquiète, il va le reprendre automatiquement. Tac. Ah bah je suis plein. Ouais, il fait quoi encore? Hop là. Et 3% ça fait 1 mètre. Ouais, un peu plus, 5 mètres. Et ces bennes là, c'est quand même une horreur. De quoi? Pourquoi? Ça glisse, c'est horrible. Non, moi, elle glisse pas la mienne. Enfin, moi, je vais dire que ça glisse bien. Faut pas lui dire, j'ai mis de la vaseline sur les pneus. C'est qu'ils mettent de la vaseline pour les faire briller. Hein. J'ai mis du Saint-Doux. Qu'est-ce qu'il y a? T'es parti chercher les champignons, mademoiselle? Autant elle avait bien marché jusqu'à temps qu'elle chope Lilo là. Oula, elle se lance dans une manœuvre manœuvrisante. De manœuvrisage. Ah, mais t'es déjà revenu? Bye. Oui. Ça va? Bah, nous fait quoi là? Elle est en train d'enciler les champignons là. D'accord. Tu sais que c'est pas très très rentable hein, l'ensilage de champignons. Elle va me faire chier à faire une putain de manœuvre à la con, hein! Sale pute! Pardon. Je couperai ça au montage. Ça bip!
Du coup, t'es obligé de faire de la manœuvre manœuvrisant. Bah ouais, de type manœuvre. T'arrives là, Guillaume. T'as des problèmes de manœuvrisage? Ouais. Ah, mais tu te foutras-t-il pas de ma gueule par hasard, mademoiselle? Je crois que ouais, tu peux la reprendre. Et au moins faire le détourage de Lilo, je pense. Ouais, je crois qu'on va le faire le détourage de Lilo à la main. Parce que là, demain, on y est encore, je crois. Ça. Tu me suis? Ah oui, tu me suis de tout ah oui, de suite. Ah oui, mon Cyril. Et rappelez-moi. Je vais faire deux détourages, comme ça on sera tranquille. Ouais, bah on aurait dû la mettre en mode détourage. Ouais. En mode détourage, elle bug beaucoup moins. Bah, c'est-à-dire qu'en mode détourage, elle suit bien le tour du... Ouais. De la culture. Bon, de toute façon, tu peux finir à la main. Là, je vais on va finir la benne et puis on va terminer la vidéo Okay. Sur un vidage de Benaï. Bon, c'est parti. Et je mange. Ah là là. Bon, remarque, pour ce qui reste à mettre dans la benne. Bah oui, c'est pour ça. Même pour finir la ligne droite, alors. Ah non, c'est sûr. 97, 98, 99... Non. Eh, pile poil, Guillaume. Hop là. Tac. Eh bah... Et il nous en reste encore un gros tiers du champ. Oui, encore. Hop là. Je le mets en paix. Vision. Hop. Oh là 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 là. De quoi? C'est les montagnes russes, ton silo là? Bah, c'est toi qui a posé comme ça, hein, je te signale. Il était déjà quand même pas mal comme ça au départ. Moi j'avais tout posé au fond, moi. Hop là. Tac.
Voilà, donc c'était les mille vaches, c'était les Guillaume mille. Et Cyril. Ouais. Donc on vous dit à très très bientôt pour un autre épisode, soit du roleplay, soit du let's play des mille vaches. Sur ce, on vous dit à très très bientôt. Bon, salut, salut. Salut, salut à tous.